Ridge Racer. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour jouer à Ridge Racer 7 sur Blaze des Gen 3, un jeu édité en 2006 par Bandai Namco. Et oui, pas Namco tout court, hein, parce que Bandai avait racheté, je crois, Namco à ce moment-là. Enfin, un petit peu avant, mais c'est déjà le cas. Donc, on appuie sur Start. Et c'est le régisseur de la PS3, hein, concrètement, hein, c'était le fer de lance souvent des nouvelles consoles de Sony. On l'avait déjà eu un peu avec le premier Ridge Racer sur la PlayStation 1, et puis ensuite Ridge Racer 5 avec la PS2. Mais là, on est sur PS3, et on est surtout en 2006-2007, donc les choses ont un peu évolué. Entre temps, on a surtout eu la série des Burnout qui est arrivée, 2001, 2002, etc. Et dans les jeux considérés comme fun au niveau de l'automobile, les Ridge Racer, la série des Ridge Racer commence un peu à tomber dans la hype, quoi. Il y a moins de hype pour Ridge Racer. Et du coup, on va découvrir ce jeu auquel j'ai joué pour la première fois. Enfin, j'ai joué un petit peu avant juste pour tester, mais on va jouer là maintenant. Donc on a Ridge State Grand Prix, donc ça c'est le mode carrière j'imagine. Les batailles en ligne, qui est évidemment une nouveauté de Ridge Racer par rapport à son homologue de la PS2. Et ensuite on a donc le contrôle à montre, donc on peut faire des contrôles à montre contre les gens. Contre les meilleurs temps qu'ont fait les gens dans le monde, donc ça c'est pas mal. Donc il y a un côté online qui est quand même évidemment bien prononcé, hein, puisque c'était quand même une évolution avec la PS3 et la 360. Ensuite on a le mode arcade, donc là on peut choisir un véhicule et faire une course simple, c'est ce qu'on va faire d'ailleurs en premier. Après on fera le Ridge State Grand Prix. On a un événement spécial UFRA, Universal Federation of Ridge Racer, je sais pas ce que c'est, peut-être qu'on verra ce que ça donne. On a le garage, donc pour le moment je n'ai pas de véhicule. Le classement, sauvegarder, options, on va voir les options. Et déjà, juste une petite parenthèse sur l'écran titre, le Ridge Racer en français de la femme. Des fois, vaut mieux pas traduire les choses, c'est pas possible. Alors, commandes audio, alors les commandes déjà, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Donc, on a la Nitro 1 et Nitro x2 avec les touches L2 et R2. Passer la vitesse moins, changer la vue, VRR, frein, accélérateur. Aucun changement par rapport à la version d'avant, j'ai l'impression, à part la Nitro qui est présente. On va voir ce que ça va donner après. L'audio, salle de multimédia. On a les mini-jeux. Donc on peut activer les mini-jeux, par exemple c'est le jeu Xodius. On va faire non, parce que c'est cool 2 minutes, hein, on a compris le délire, mais c'est pas spécialement intéressant comme mini-jeu. Filtre commentaire. Filtre commentaire, c'est quoi ça? D'accord, interview de pro, ça on s'en fiche. Affichage de la vitesse, on va se mettre en km/h. Statut, carte d'identité, vidéo de l'E3 2006. Désinstaller les données de Ridge Racer 7 pour le disque dur. Alors ça c'était une option qui existait aussi dans Gran Turismo. C'est en gros pourquoi l'installer sur le disque dur tout simplement. Ça permettait d'avoir des chargements plus rapides sur la console. Parce qu'à l'époque on utilisait encore un disque dur à plateau et les volumes de données étant assez élevés avec le Blu-ray. Donc on va faire retour, on va se lancer, voilà, sauvegarde en plus c'est cool. On va faire un petit mode arcade. On va faire. Alors il y a une bataille multijoueur mais évidemment je ne pourrais pas la faire. Course simple. On a pas mal de circuits disponibles dès le début. C'est assez fou quand même qu'on ait autant de circuits disponibles, comme si le jeu était déjà fini en fait, c'est ça qui est un petit peu bizarre. Mais évidemment il y aura plein de choses à débloquer. Je ne sais pas ce que je pourrais faire comme circuit pour le début. Je vais pas faire forcément le premier parce qu'évidemment on va l'avoir si on fait le mode carrière. Donc je vous propose un circuit un peu plus loin, quitte à ce qu'il soit difficile, tant pis. On va faire... avec top, parkway. On le voit un peu à quoi ça ressemble, ok, derrière. Là ça ressemble vraiment à un circuit. Lakeshore Drive, Subaydook. Alors peut-être qu'il y a des circuits qui existent déjà dans la version, les anciennes versions de Ridge Racer, mais je sais pas, honnêtement, je suis pas assez fan de Ridge Racer pour vous dire. Bayside Freeway, on a le Airport Lab, alors lui il est compliqué. Downtown Rave City, Sunset Heights, ok, Cross Bay Tunnel. Qu'est-ce que c'est que ce circuit? Non, on va faire un circuit peut-être... Island Circuit. C'est parti. Donc on a les 4 classes, on a 4 classes de véhicules, donc avec la classe 3 qui est la plus lente normalement. On voit les véhicules qu'on a, par exemple on a, je vous montre un peu, on a la Fiera, l'abeille, ok. On a la Prophétie, la Wheel Gang, Magnifico, Bayonette, et on a Star Nose et la Joujack, ok.
Et pour chaque version, j'ai l'impression qu'on a parfois, voilà, une catégorie un petit peu différente d'amélioration. J'ai l'impression qu'on n'a pas forcément toutes les mêmes marques. Là, on a une Assoluto, par exemple, qui était présente. Ça, je m'en souviens, par contre, présente dans les anciennes Ridge Racer. Imel, Esperanza, je crois qu'on l'avait aussi, Esperanza. Et là, on a la Fatalita Assoluto. En fait, je suis bête en fait parce que du coup, j'ai dit le nom des voitures, mais pas le nom du constructeur. Parce qu'en fait, c'est Terazzi, Kamata, Imel, Gnad, Soldat et la Dame Verde. Effectivement, la radio aussi était présente. Pour commencer, on va prendre une classe... après une classe de base, hein. Et j'ai envie de prendre la... Pourquoi pas ce genre de véhicule? Ça peut être marrant. Tiens, on va commencer avec ça. Transmission automatique, je peux changer... confirmation du véhicule. Je peux pas changer la couleur? Attendez. C'est bizarre ça, je ne peux pas changer le... la couleur de la voiture. Ah, c'est un peu dommage. On peut sélectionner la musique. Donc, disque 1, c'est la sélection de musique. Disque 2, c'est le disque net. Et je me demande d'ailleurs si on peut pas prendre le disque avec les musiques en MP3 comme sur Wipeout, c'est-à-dire qu'on met des fichiers MP3 ou WMA, je crois, sur la console. Et sur la console, après, elle peut les lire dans le jeu. Ça, c'était cool, par exemple, sur Wipeout. Sélection de musique disque 1. La musique de fonte sera éteinte. Non. On va commencer avec les musiques de base. Alors, le menu, je le trouve plutôt propre, hein. Franchement, il est assez simpliste, c'est bien. Island Circle, un parcours extrêmement technique, truffé de virages particulièrement difficiles à négocier. Il ne faut surtout pas perdre de vitesse. Ok, on va commencer. Allez, c'est parti. Okay. Alors, déjà, ce que je peux remarquer... Alors, j'espère que le son n'est pas trop fort. Pour moi, il le sera peut-être, mais pour vous, peut-être pas. Alors, attendez, moi, je vais baisser un peu, parce que honnêtement, le son est assez fort. Oula, je crois même que je l'ai monté en fait le son. Non, toujours pas. Attendez, la molette elle est où? Elle est là. Ah mais je l'ai mis tellement forte que... Voilà. Je disais. Donc on va découvrir ce circuit ensemble. Donc c'est toujours le même maniement en fait par rapport au Racer 4 ou Racer 5. Et je suis toujours aussi mauvais d'ailleurs à ce genre de maniement. En gros, pour faire simple, vous tournez normalement gauche-droite, hein, jusque-là rien extraordinaire, accéléré. Par contre, si vous relâchez l'accélérateur et appuyez sur le frein, la voiture va partir en dérapage quasiment instantanément. Et le but, c'est de gérer le dérapage le mieux possible pour pouvoir ensuite récupérer une boost de turbo que l'on a là. Et évidemment, on prend le virage plus vite que prévu, mais récupérer une jauge de nitro, on avait déjà ça sur la version PSP. Et une fois qu'on a cette jauge de nitro. X1, X2, X3, etc. On peut l'utiliser et ça nous permet évidemment d'aller plus vite. Le particularité du jeu, il n'a pas spécialement, j'ai l'impression que c'est vraiment une réédite, enfin une continuité en fait de Ridge Racer. C'est là où vous allez comprendre un peu le message que je ferai passer au fur et à mesure de la vidéo. Mais bon, pour l'instant, je me garde de le faire pour expliquer au fur et à mesure. Là, on a donc à côté le compte auto, j'invente rien. Par contre, ce qui est assez intéressant, vous allez vous en rendre compte après, c'est que suivant le constructeur que l'on prend, le compteur de vitesse est différent. On n'a pas forcément le même. Donc ça, c'est un petit détail graphique, et c'est sympa. Par contre, je suis lent, mais à en mourir, franchement. Et j'ai toujours du mal, voilà. C'est un truc que je ne comprendrai jamais dans Ridge Racer, c'est comment réussir à se remettre en ligne quand on a commencé un dérapage. Vous voyez, à chaque fois, je pars en dérapage à un moment, voilà, je suis en tête à queue, et j'essaie de ressortir de là, je fais en sorte d'aller de l'autre côté de la voiture pour justement la faire revenir sur la ligne droite. Eh ben non, ça marche pas, je suis en train de refaire un dérapage de l'autre côté, donc c'est assez embêtant. J'aimerais qu'en faisant carré, c'était un peu plus facile de gérer ça, donc des fois faire carré, mais j'ai pas trop compris le système. Honnêtement, je sais pas, je trouve qu'il est vachement sensible. Alors si vous avez compris le système, c'est vraiment de l'expliquer dans les commentaires, parce que franchement, je pense qu'au bout de 3 Ridge Racer, ça sera le moment de se réveiller et de mieux le comprendre, mais désolé, je n'y arrive toujours pas. Et du coup, je suis dernier, tout simplement. Et regardez la différence entre le premier et moi, je sais même pas comment c'est possible. Je pense que j'ai rien compris. Parce que je n'arrive pas du tout à avoir une vitesse suffisante. Parce que là, je fais carré, j'ai pas réussi. J'ai relâché l'accélérateur, je suis dans le virage. Mais comme je ne fais que déraper ensuite, bah en fait, la boîte de vitesse, elle est en saturation. Quoi. Enfin, je veux dire, le moteur n'accélère pas bien. Donc là, on va essayer de bien le prendre. Après, j'ai pris un circuit qui n'est pas facile. On a pris un circuit un petit peu de la fin de la liste. Donc en général, c'est les circuits les plus durs. Tu es 14e. Ah, j'ai fait un premier tour en 1:30 puis après en 1:19, donc c'est que je m'améliore quand même un minimum.
Oh là là. Alors, on n'a pas de dégâts dans le jeu, toujours. On n'a pas... les collisions sont très très basiques. Les IA, bah, vous ignore en fait, complètement. Hein. Il n'y a pas vraiment de... Pas vraiment, on peut pas baisser une IA, quoi, mais bon. Sauf que, voilà, on est en 2006-2007, et... Bah, je n'arrive pas. Hein. Je n'arrive pas à repartir, quoi. Regardez, je n'y arrive pas. Du coup, j'ai même une limite de temps. C'est-à-dire qu'ils ont fini la course, j'ai même pas fini le circuit. C'est incroyable. Donc, en ce qui concerne le gameplay, voilà, le gameplay n'a pas bougé, je suis tellement... Je comprends pas, hein, vraiment, je ne sais pas. C'est pas piloté dans le Rage Racer, c'est incroyable. Sur la version PSP, j'avais aucun problème. Mais alors, sur cette version-là et la version de Rage Racer 5, c'est le même problème. J'ai pas, j'ai vu qu'on n'a pas fait le 6. Peut-être qu'on le fera un jour. Je sais que j'ai oublié de passer le 6, mais bon, c'est vrai qu'on est un petit peu dans les jeux PS3 actuellement. C'était un petit peu l'occasion de faire celui-là. Sauf que là, en fait, finalement, on s'est fait une petite boucle jeu de. Comment ça s'appelle ? On s'est fait une boucle jeu d'ouverture de la PlayStation 3, quoi, les premiers jeux du lancement. Eh, mais c'est pas possible, sans déconner. J'y arrive absolument pas. Alors, peut-être que la voiture a une. Comment dire ? Chaque véhicule a ses capacités. Et peut-être qu'effectivement, celle-là, elle est plus difficile à conduire que les autres. Donc, j'ai pas forcément craché sur le jeu, hein, on est pas, là, c'est plutôt moi qui suis mauvais. Donc ça, vous laissez de côté, vous imaginez, vous pensez vraiment à quelqu'un qui sait mieux jouer, mais pas à moi. Donc l'arrivée, voilà, on attend un petit peu, voilà le petit fondu au noir. Donc on peut réessayer, visionner le ralenti, on va voir un petit peu le ralenti ce que ça donne. Voilà, on charge. Et d'ailleurs je vous propose... alors attendez, parce que là pour l'instant, je peux changer les vues, voilà, ça c'est pas mal. Caméra 3, caméra 1, caméra 2. Je peux accélérer, ralentir la vitesse, pardon. L'affichage, je peux l'enlever. Est-ce que je peux changer de... Ouais, bon, bah, les gars, je me suis trompé. Est-ce que je pouvais changer de véhicule? J'aurais voulu vous montrer un véhicule qui... Un IA qui s'en sortait beaucoup mieux, quoi. On va faire menu, hein, c'est pas grave. On va faire directement un mode de Grand Prix. On va revenir au départ de la mode carrière. Mais j'ai quand même envie de vous montrer ça. Événement spécial UFRA. Ah, il faut une connexion. Il faut une connexion au réseau network. Ok, station d'événement. Il n'y a pas d'événement. En fait, c'est des événements qui sont en ligne. Ok. Bah écoutez, au moins on le saura. Bataille en ligne. Okay, j'arrive ça. Bah, on va commencer le mode carrière. J'espère ça. Bienvenue à Rich State, la patrie du dérapage. De nombreuses courses sont organisées à Rich State par l'association officielle des sports automobiles, l'UFRA. Parmi elles, l'événement principal est le Rich State Grand Prix. Mais avant de devenir le champion incontesté de Rich State, vous devrez remporter les 13 premières séries de courses ainsi que l'ultime Grand Prix de Rich State. En premier lieu, vous devez nouer des liens avec un constructeur de véhicules lors des essais constructeurs et vous procurer un véhicule. De nouveaux circuits s'ouvriront à vous à mesure que vous remporterez des courses et des points de prestige. Utilisez l'argent que vous gagnez pour améliorer et personnaliser vos véhicules. Bon séjour à Rich State. Bon, au moins on pourra pas reprocher au jeu de vous expliquer comment ça se passe, donc ça c'est plutôt un bon point. Bonjour user, évidemment je n'ai pas de compte PSN donc je m'appelle user. Bienvenue à Rich State, voici vos statistiques actuelles. Oui, bah, j'imagine que j'ai rien. Vous avez reçu une proposition de course de Kamata. Vous pouvez participer à l'essai Kamata. Ok. Ah, d'accord, on se balade sur une map. Vous avez une proposition de course de Age. Vous pouvez participer à l'essai Age. Age, j'imagine. Vous avez reçu une proposition de course de Denver. Denver, le dernier. Vous pouvez participer à l'essai Denver. Et j'ai parcouru 0 km. Distance parcourue 32. Si, il a quand même pris le. Ce qui conclut votre rapport d'état. De toute façon que c'est un jeu militaire limite. Donc c'est parti, donc on se bat sur une petite map apparemment, et c'est constructeur, conseil de production et le Rich State Grand Prix. Évidemment il va falloir d'abord que je lis un contrat avec quelqu'un pour pouvoir courir après, je pense. Les conseils, les astuces, introduction. Je vais regarder un petit peu les dérapages, ben voilà c'est le moment. Tout commence avec le dérapage, trois types de dérapage. Trois types de dérapage, il existe un type standard, un bon type de dérapage général, type dynamique. Dérapage plus facile et parfait pour le changement de direction rapide convient au pilote et un style dynamique. D'un autre côté, il est plus difficile de retrouver sa stabilité avec ce type de dérapage, ce qui le rend inadapté. Ah ben voilà, ben c'est mon problème en fait, c'est que ça le rend inadapté au début. Type faible, tout le contrôle type dynamique ne permet pas de changer de direction rapidement, mais reste très stable sur la route, minimise les dérapages pour un style de conduite moins abrupt. D'accord. D'accord. Comment déraper ?
tourner dans la direction du virage. Lorsque le véhicule commence à tourner, lâchez l'accélérateur. Donc c'est ce que je faisais. Lorsque le véhicule commence à glisser sur le côté, appuyez sur l'accélérateur à fond et alignez l'angle du dérapage avec la direction. Ok, assurez-vous afin que le véhicule fait face à la route pour retrouver sa stabilité. Oui, donc en fait, c'est ce que je fais plus ou moins. Mais alors, je dois vraiment être mauvais. Ou peut-être que le fait de jouer à la croix, ça aide pas. C'est pas possible, on va essayer. Et trois types de dérapage. Ok. On a quoi? Démarrage en flèche. Juste avant le départ de la course, essayez de garder l'accélérateur à pied jusqu'à ce que ce soit une rouge. C'est ce que j'ai fait aussi. Donc ça j'avais compris. Le sillage, c'est l'aspiration. Les types de course, ok. Point constructeur et pièce véhicule, bon, on verra ça après. Alors, on va faire un essai constructeur. Donc chez Kamata Edge ou Denver. Catégorie, de toute façon, c'est la même. Hein. Catégorie véhicule 4 à chaque fois. Je sais pas, on va faire le premier, hein, de toute façon. Circuit Lecture Drive, participer à cette course. Donc c'est ça là. En plus, elle est très jolie, c'est parfait. Alors, c'est des véhicules évidemment toujours factices, hein, enfin qui n'existent pas dans la vraie vie. Fictif, pas factice. On va faire confirmation du véhicule. Sélection de la musique, acheter la nitro, non. Ah, mais c'est vrai que j'ai pas de nitro pour le moment. D'accord, ok, je pensais que c'était dès le début du jeu. C'est la course. Donc le menu, rien à dire, très propre, présentation nickel, c'est bon, c'est du Ridge Racer, à ce niveau-là ils ont fait aussi bon que les autres, pas de problème. Du lac est réputé facile. L'essentiel étant de repérer les trajectoires les plus rapides. Tu es prêt? Oui, je suis prêt. Mais imagine, je suis une fille qui joue. C'est pas cool. Est-ce que vous pensez qu'il détecte le type de profil de la personne qui va jouer? Non, mais après, enfin, je sais pas, c'est vrai que c'est bizarre les jeux. J'ai pas l'air exclusif parce que exclusif ça prend un autre. Je parle d'autre chose, mais en tout cas le fait homme-femme déjà ça pourrait être pas mal. Alors c'est parti. On est sur un circuit qui, ma foi, plutôt joli. Ah, les reflets sur la Fiera sont plutôt très très bien rendus. Je trouve ça plutôt joli. On est en 2006-2007, hein, donc bon. Faut quand même se replacer dans le contexte de l'époque pour juger les graphismes que j'ai toujours pas jugé d'ailleurs. Hein, vous avez bien compris, j'en ai pas trop parlé. Parce qu'on fera assez rapidement. Le problème toujours de la PS3, c'était l'aliasing. Ça, il y avait toujours ce problème, il n'y a pas d'anti-aliasing sur la PlayStation 3. Il n'y en avait pas plus d'ailleurs, je crois, sur la 360, mais c'était un petit problème. Alors certes, on était dans des résolutions plus élevées, donc ça se voit beaucoup moins. Mais quand même, ce petit aliasing présent, ça gâche parfois des jolis paysages. Bon, en tout cas, j'ai pensé avoir compris, mais en tout cas, je vais pas faire plus que d'habitude niveau dérapage, puisque je vais essayer d'être plus précis, d'anticiper un peu plus. Bon ben voilà, je freine légèrement, je vais se mettre en ligne, c'est bon. Et vous voyez, le contour à gauche a changé, c'est pas le même. Et en plus, il s'illumine quand on est dans un tunnel, donc ça c'est plutôt bien fait. Regardez, hop, on va enlever, il va se passer en couleur classique. Bon, le circuit c'est sympa, je trouve ça sympa d'avoir fait un circuit qui part en ville, parce que j'aime beaucoup Ridge Racer, mais souvent, c'est trop souvent des circuits en ville, et bah, à la fin c'est un peu monotone. Là déjà, on commence sur un circuit qui est un peu dans la campagne, c'est beaucoup plus varié, donc ça c'est bien. Le dérapage, je le prends bien là. Voilà. Et je suis premier. Donc j'imagine qu'après il y a aussi évidemment la force de l'IA qui est prise en compte. Et plus on va monter avec des véhicules rapides, plus il va falloir être précis et surtout très rapide dans les changements de direction. Et c'est là où le fameux dérapage dynamique va, à mon avis, avoir le plus grand intérêt. Et puis ça permet de faire des changements de direction très brusques. Et sur les circuits très sinués, bah, il va falloir faire ça. Alors je vous ai pas montré, mais on a une vue intérieure. Voilà, enfin une vue intérieure. Ras du sol, hein, qui est évidemment la vue la plus rapide, et qui donne la meilleure impression de vitesse. Mais on a que ça. Voilà, on n'a pas de vue avec un cockpit. Après, c'est un jeu purement arcade, donc on s'en fout un peu avec cockpit, hein, on n'est pas là pour faire réaliste. Mais bon, pourquoi pas, hein, ils auraient pu faire un vrai cockpit. Après, pour l'instant, on est devant, tout va bien. Quelques petits détails sympas, voir les oiseaux là, sur les côtés. Alors, déjà, il faut dire un truc. La PS3 est une console qui était un peu comme la PS2, assez difficile. Pour développer dessus, le problème des jeux Sony à l'époque, c'est que à chaque fois que la console sortait, les premiers jeux n'étaient pas spécialement fantastiques parce que la console était difficile pour les développeurs à gérer. Et je vais faire la même réflexion qu'on a vu avec Ridge Racer 5 pour l'époque. Le jeu est joli, mais sans plus. Il y a des beaux panoramas, on va dire, mais il y a des choses qui sont un peu moins.
Je trouve que le jeu est assez simple, ça manque de certains effets, et bon, par contre la luminosité est plutôt bien rendue, etc. Mais le jeu n'est pas ultra magnifique, c'est pas... Par exemple, si on compare avec un Gran Turismo, il se fait totalement rétamer. Certes, Gran Turismo est sorti un peu plus tard, beaucoup plus tard même, parce que je crois que c'était 2010. Mais voilà, le jeu n'est pas pour moi un produit d'appel pour se dire waouh, la PS3 c'est un truc de fou, je vais pas acheter une 360, je vais vraiment prendre une PS3, même si elle coûte 600€. Là voilà, dès le début, les jeux de la PS3 malheureusement n'ont pas forcément marqué dans leur graphique, surtout par rapport à la 360. Alors j'ai gagné, donc j'ai récupéré les Sekamata. Bah écoutez, on va se contenter de ça, c'est très bien. Et regardez, j'ai gagné un petit point chez Kamata. Du coup, je pense que l'idée, bah, à la fin du jeu, c'est d'avoir des points partout, et comme ça on débloque toutes les voitures, on a toutes les améliorations. Donc on va pouvoir aller chez Kamata, et j'ai reçu la Fiera du constructeur Kamata. Prestige 5 PP. Voilà qui conclut votre rapport d'état. Ah, belle vidéo quoi. Enfin, c'est même pas une vidéo puisque c'est fait en full 3D. C'est sympa. C'est tout sympa. Alors, essai constructeur, conseil. Son décor sera organisé par les constructeurs de véhicules. Parce que j'aimerais savoir la différence entre les deux. Et de pièces. La victoire dans une course organisée. Bon, je vais arrêter de lire comme ça parce que je crois que ça va être chiant. Voilà, par un constructeur. Vous rapporte des points constructeurs. Ok, donc si je fais des essais pour eux pour d'autres courses et que je les gagne, ben logiquement je vais pouvoir utiliser des points, et ces points ça va m'aider après pour obtenir des véhicules et d'acheter des pièces. Incroyable, incroyable, incroyable. Alors, d'ailleurs, puisqu'on y est, essais constructeurs, chez Kamata, je pense à un truc. Ok, donc on a déjà réussi en fait le point, donc ça sert à rien, il n'y a pas d'autres courses j'imagine. Bon, okay. On va faire le Richtel Grand Prix, simplement. On a donc le RSGP, donc l'abréviation de Richtel Grand Prix 1, 2 et 3. C'est tous des catégories 4, donc on va faire le premier. On va commencer là-dessus. Donc conditions de victoire, champion général, manche 1, ça sera Lectops Parkway, Shadow Cave, Industrial Drive. Participe à cette course, bah c'est parti. Dans le garage, je peux faire donc des pièces. Alors, je peux modifier des pièces extérieures du moteur, les pneus, suspension, un nitro, l'unité d'extension, la peinture, le visionneur de véhicule et des calcos. J'ai 10 000 crédits, je vais voir ce qu'on peut faire déjà dès le début. Niveau 1, ça va nous coûter. Premier, ça semble être bon. Ah oui, hein. J'ai en profité un peu. La nitro, unité peinture, visionneur de véhicule, donc c'est pas mal. Je peux voir la véhicule, je peux voir la voiture, ça c'est pas mal, regardez. Petite scène sympa, accélérer, freiner. Ah attendez, si je fais freiner. Oui, ça affiche les phares, ok. En vrai, elles sont pas mal les voitures dans Ridge Racer. Retour, on peut revoir la scène d'acquisition du véhicule, on peut changer la peinture. Carrosserie générale, couleur des roues, numéro de véhicule, bon ça va pas le faire, c'est du superflu. Par contre, pièce extérieure, attendez, on a quoi? Avant, côté, arrière, capot, aile roue. Allez, je vais faire les ailes, c'est ce qui claque le plus. Même si j'aime beaucoup d'ailleurs cette aileron, ça fait vraiment penser à l'aileron de la GTO de chez Mitsubishi. Donc je vais le garder, de toute façon j'ai pas le choix, j'ai rien débloqué. Ouais, ici par exemple on a rien débloqué, donc je ne peux pas modifier en fait l'aéro pour le moment. Pneus par exemple, ça peut être sympa, niveau 1. Allez, on va mettre des pneus de niveau 1, ça coûte combien? Bon, acheter et monter Kamata niveau 1 pour 6000, monter sur tous les véhicules Kamata, monter sur les véhicules Kamata Fiera de cette catégorie uniquement. Bon ben voilà, on a modifié les pneus et le moteur. La confirmation du véhicule. Et on va commencer la course. C'est parti. Et j'ai pas mis de nitro, bon, on verra plus tard. Et il m'a dit double nitro, etc. Mais j'ai pas eu le temps de lire. Transparencie, alors on a un petit peu les musiques en bas qu'on peut choisir avant le début de course. Donc c'est parti. 3, 2, 1, go. On a fait un départ correct, j'étais presque dans le bon niveau d'accélération.
Oula, cette musique c'est sympa, c'est calme on va dire pour du Ridge Racer. Et on est 8, on n'est pas qu'un cette fois-ci. Ah, apparemment pas mal cet effet là de... Quand on est passé dans les feuilles, c'est assez... Comment dire... Ouais voilà, j'ai pas fait comme eux, j'ai pas glissé. Par contre j'ai l'hydro. Ah mais j'ai l'hydro mais je peux pas l'utiliser peut-être, je sais pas. J'ai rempli une jauge de boost donc j'imagine que ça sert à quelque chose. On a du trafic en haut, j'ai pas fait gaffe, c'est pas mal. Le trafic. Alors le siège ça me permet évidemment de prendre inspiration donc voilà d'aller plus vite et les dépasser, je suis déjà progressé, c'est magnifique. Oh les le petit dérapage, ça se passe bien. Et là on a un petit effet de bloom. Alors le bloom j'en ai souvent parlé dans d'autres jeux, c'est un effet que je trouve dégueulasse. C'est cet effet un peu brumeux, un peu de réflexion blanche qu'on a sur les textures, qui certes ouais, existe un peu en vrai, mais à ce point-là, quand même, je trouve que voilà, c'est le problème des jeux de cette époque. Ils avaient tendance à exagérer cet effet. Et ça reste un bruit de personnage, hein, chacun peut être différent, mais là, je trouve ça ne sert à rien et c'est ignoble en fait. Je sais pas, je trouve ça vous. En tout cas, pour l'instant, ça sera bien. Je ne vais pas utiliser la nitro. Ah si ! Je peux utiliser la nitro ? Alors à quoi ça me sert d'acheter de la nitro si j'ai pas de nitro ? Ok. Donc la différence, c'est quoi nitro ? J'ai appuyé une fois. Et elle s'est enclenchée automatiquement en fait, elle a continué tant que je n'achetais pas l'accélérateur de pousser en fait. Donc ça c'est pas mal. Bon je vais pas utiliser 10 fois parce que de toute façon je suis en train de prendre, j'ai pas trop besoin. La nitro est prête. Ouais alors petit commentaire voilà pour nous prévenir quand la nitro est prête. C'est le genre de truc que je ne supporte pas, il y en a qui aiment pas, bon moi ça compte pas mon truc. Petit commentaire comme ça je ne supporte pas. Tous les trucs un peu en mode Crash FM, Burnout 3 où t'es quelqu'un qui raconte sa vie à chaque fois. Voilà, à la limite, je sais pas, qu'elle invente des personnages, qu'elle dit voilà, vous êtes en retard au premier secteur, machin, je comprends, pourquoi pas, mais là, bon, la nitro est prête, oui, c'est bon, j'ai un HUD, je le vois, quoi. Ça sert à rien. Bon, le circuit en tant que tel, bah écoutez, ça ressemble un petit peu à ce qu'on a fait tout à l'heure, plutôt joli, ouais, plutôt bien réalisé, les graphismes, voilà, je l'ai dit, hein, c'est pas une claque, mais c'est quand même bien, hein. On a quand même fait un bon step par rapport à la PS2. Alors au niveau des musiques d'ailleurs, je refais un tour dessus. J'ai pas... Enfin je connais pas toutes les musiques par cœur de la série Ridge Racer. J'ai pas vu, peut-être vous pouvez me le dire vous si vous l'avez vu dans la liste. J'ai pas vu de... par exemple de son repris des anciens Ridge Racer. Peut-être qu'il y en a. Je trouve par exemple dans la version PSP, c'était vraiment génial d'avoir par exemple un remix ou des versions connues des anciens Ridge Racer, parce que Ridge Racer a souvent eu des bonnes musiques. Du coup, c'est cool de pouvoir les réécouter quand on a un nouveau Ridge Racer. Après, voilà, comme je vous dis, rien ne nous empêchera de les mettre de manière. Depuis sur la console directement, et du coup, pouvoir les écouter en jeu. Ça, c'est aussi une solution. Alors là, j'ai un petit boost, alors je n'ai pas dû l'utiliser ici, c'est pas grave, on va quand même essayer de gérer avec. Ça se sent plutôt bien, écoutez. Alors, c'est peut-être le véhicule qui fait que c'est plus facile de déraper, hein. Je sais pas trop. Elle a un petit boost encore, elle a un petit effet de flou, évidemment, qui est à donner l'impression de vitesse. Ok, course suivante. Ah mon dieu. Alors, on a gagné devant Sitsang Motor Jolac, Maya l'Abeille, Dondeur Bayonné et Grenade Magnifique, et l'âge de la prophétie. Donc on a donc 10 points, tout le monde manque des points j'ai l'impression, ouais. Il y a eu problème, bah comment... 18, 6, 5, 4, 2... C'est comme en Formule 1, dites donc. Enfin, en tout cas, dans les années en question. Alors, course suivante, récit... On peut recommencer. On peut recommencer. Alors ça, par contre, c'est assez fou, parce que ça veut dire que, genre, la quatrième course, par exemple, pendant lutte pour le championnat, bon, je me suis foiré, je recommence, quoi. Enfin, c'est un peu facile. Bon. Qu'on recommence, soit recommencer. Ce qu'on va pas tenter là, de toute façon, parce que faut qu'on avance un peu. Là, là, Onyx Hard Drive avec Awakening, Electro Kaleidoscope. Je crois qu'elle est connue, Kaleidoscope. On va mettre ça là, tiens. Ridge Track Grand Prix 4. Sponsored by Doritos. Non, c'est pas vrai. Allez, du coup. Ouh, j'étais pas loin. J'étais pas loin du bon régime. Mais ils ont fait un peu mieux. Alors, je ne peux pas regarder sur les côtés. Si, ça, c'est une petite. Bah ça commence à être intéressant pour regarder sur les côtés dans certains jeux.
On a un petit effet de traînée qu'on avait déjà dans le 5 au niveau des phares arrière, c'est-à-dire quand on roule, on voit la réflexion de la lumière qui bouge un petit peu. La rémanence de la lumière. Alors on est dans un autre contexte, ça va être un peu plus aride que tout à l'heure, pourtant... Ah non, ça va même en absence d'entre nazis, avec un petit temple au fond. Alors je me taire un petit peu, je vais laisser un petit peu le jeu tourner, je vais me taire pendant 30 secondes, et on se retrouve juste après. Voilà, j'espère que ce petit tour vous aura plu. Aussi, une chose que j'ai remarqué, c'est que ce soir bizarre, on pourrait avoir la Valkyrie à côté. Ça ressemble énormément au sponsor Tissot, le marque de Tissot. Du coup, ils se sont amusés à s'inspirer du logo pour faire leur timing. Tu es premier, tu vas gagner. Génial. Mais attendez, mais je pensais à un truc. Mais la fille justement qui parle, on la voit pas? C'est un truc assez en général, c'était le comment dire, c'est le truc marquant des Ridge Racers. On avait une waifu à chaque fois dans un Ridge Racer différent. Là elle est où la waifu? On la voit même pas, on entend sa voix. Alors ah, ça y est, vous allez peut-être me dire, ça se trouve c'est un petit peu misogyne, nana, du coup ils ont retiré pour faire d'ombre, enfin pour éviter de que les féministes machin, j'en sais rien, hein, je dis ça, c'est une supposition. Mais c'est vrai que bon, c'est un peu dommage quoi. Oui. On a plus qu'une voix. Pourtant il me semble que sur la jaquette, ça lit. Ah là ça utilise deux. D'accord, ok, quand on fait un R2, ça utilise deux différentes nitros, donc la puissance est un peu différente. J'ai l'impression. Oula, pourtant je l'ai utilisé ici, je veux pas l'utiliser là. C'est pas grave. Bon, on a plus de nitro, tant pis. En plus, ça me donne des ordres. Voilà. On est arrivé. Alors, du coup, bah là, c'est pour ça, c'est assez facile, mais tant mieux si c'est progressif, c'est ce qu'on demande à un jeu. Alors après, donc ça, c'est le classement et 3 courses, oui, c'est vrai, je sais qu'il y a plus que ça. Les Terrasis sont un petit peu en retrait, la 7ème et 8ème, alors que le Team Canada, pour l'instant, est en tête avec 20 points. Course suivante. Bon, après, le jeu reste un jeu très très bien. Enfin, le jeu est cool, c'est quand même un bon jeu. Session de musique, on va changer, on va mettre... Nitro 8, Combustion, ouais, tiens, Combustion. Des fois, le nom de la chanson n'a pas forcément beaucoup rapport avec le style de musique, j'ai l'impression. Ouh, j'étais pas mal. Je crois que j'étais juste comme il fallait. Pourtant, on le fait quand même dépasser. Alors, j'étais pas la voiture la plus rapide, j'imagine que les autres ont quand même aussi fait des améliorations peut-être à voir. Pour l'instant, j'essaie de me fier au circuit. C'est toujours bien qu'ils affichent le circuit par contre parce que c'est très difficile de deviner le prochain virage quand on connaît pas le circuit avant. Alors, je vais légèrement faire un dérapage. Ah oui, alors je me disais aussi, il n'y a pas de vue arrière, c'est dommage, je suis obligé d'être en vue intérieure pour voir le rétroviseur et voir où ils sont. Parce que des fois, ça peut être intéressant de savoir s'ils sont à droite ou à gauche par rapport à la prochaine trajectoire qu'on va prendre. Joli. Joli. La nitro est prête.
bien pris ce virage. Pas bien le contraire. Bon, alors, c'est toujours aussi plaisant quand même de le dérapage, tout ça. Et donc oui, la réflexion que je me faisais au début, c'est pour ça que j'ai parlé de Burnout, c'est pas innocent, c'est que c'est un jeu qui certes est toujours fun, toujours arcade, toujours plaisant à jouer, mais ça manque de nouveautés, quoi. On a l'impression de refaire la même chose en fait à chaque Ridge Racer. Et entre temps, il y a des séries comme Burnout qui ont un peu évolué aussi. Hein. Bon, Burnout déjà il y a des dégâts, on a le mode crash, on a le mode takedown qui est super fun. Par exemple, pourquoi là on n'aurait pas pu avoir un petit mode de jeu sympa où on, pour un peu corser la difficulté, je sais pas. Certes, c'est pas Burnout. Il n'y a rien qui n'est pas Burnout, c'est compréhensible aussi. Mais je sais pas, ça manque de prise de risque. Voilà. Et pour le coup. C'est ça qui rend le jeu moins attrayant, parce qu'avant, bon, c'était un jeu super fun, il n'y avait pas beaucoup d'autres jeux qui étaient aussi arcade, aussi bien réalisés, tout ça. Bon, évidemment, il y avait des Destruction Derby qui étaient cool aussi, mais c'était pas trop le même principe encore. Là, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils ont, voilà, ils ont perdu un peu le lead, et depuis, honnêtement, qui c'est qui attend un nouveau Ridge Racer, quoi? Est-ce que vous êtes là à vous dire, waouh, pour cette console, le nouveau Ridge Racer, il va être génial? La PS5, Ridge Racer, il est où? Voilà, donc c'est un petit peu. C'est une licence qui est morte en fait. Enfin, pour moi, qui est un peu morte dans le cœur des gens. Pas dans le cœur des gens, j'ai une petite bêtise, mais dans les espoirs des gens, parce qu'on n'en sait pas trop où aller avec cette licence. Tout simplement. Pourtant, c'est un jeu qui, techniquement parlant, est pas mauvais. Loin de là, ça reste un jeu qui est quand même très sympa à jouer. Allez, pour l'instant ça se passe plutôt bien. Tu es premier, aucun problème. Dernier tour. Bon, par contre, là, à l'inverse des toutes pour la première course qu'on a faite où c'était difficile, le fait là que ce soit assez simple, bon, je vous accorde qu'on s'ennuie un petit peu au début. Là, ils ont. Bon, le niveau de difficulté est assez bas en fait pour commencer. Je pense qu'après il va se corser, hein, c'est pas le problème. Mais du coup, je vous montre pas le plus intéressant du jeu, c'est un petit peu dommage. Mais bon, écoutez, c'est comme ça, hein, c'est comme ça que quand vous allez avoir le jeu, quand vous allez débuter, si vous y jouez. Un petit coup de nitro là pour le plaisir à la fin. Yahoo! Et du coup, je vais acheter la nitro, je pense, après ça, histoire d'essayer de voir un peu la différence, quoi. Qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert d'acheter la nitro ou pas? Parce que pour moi, on en a déjà. En fait. Alors, toi, à l'arrivée. Magnifique tout à l'heure cette voiture, vraiment, c'est ce stéréotype de la GTO, quoi. Et voilà. En ce qui est marrant, c'est que je peux faire ce que je veux, hein. Je m'arrête, je fais un dérapage contrôlé, tout va bien, quoi. Voilà. Allez, on a gagné la course, c'est super. On va du coup être champion du Ridge State Grand Prix. Avec 30 points, donc pour l'instant, on a fait le maximum, on peut pas faire mieux. Revenir au menu. Continuer, donc oui, pardon, revisionner le. Revenir au menu, oui, c'est normal. Bon, rebonjour, user, voici la hauteur de la course. J'ai gagné le RGPSI dans le Rusted Grand Prix, ok. J'ai 10 points maintenant de chez Kamata. Alors, j'ai reçu un email suivant de la part du comité de pilotage de l'UFRA, de Denis Barson. Bienvenue aux événements uniques de l'UFRA. Bonjour pilote, mon nom est Denis. Nanana. J'ai le plaisir de vous voir à l'œuvre récemment. Je dois avouer que je suis impressionné, vos talents. Nanana. Par conséquent, on voudrait vous inviter à participer aux événements uniques de l'UFRA. Ils sont encore nouveaux, mais ces dernières années, plusieurs constructeurs. Ok, en participant à ces événements, vous ferez un pas de plus à la victoire et surtout vous offrirez aux fans de Ridge Racer des courses encore plus haletantes. Président du comité exécutif de l'UFRA, Denis Barson. Aussi votre rapport d'état. Ok. On a le Ridge Grand Prix. On a vu ce que c'était. 1, 2, 3. Et ses constructeurs, on a vu ce que c'était. Qu'est-ce que l'événement unique UFRA?
C'est une course complète 1 ou un contre-la-montre bronze. Ok. Alors, dépassement 13, contre-la-montre. Meilleur temps personnel. Oui, alors pardon, j'ai l'impression que là, classement 13. Dépassement 13, est-ce que c'est un truc où il va falloir remonter bon, on va faire le contre-la-montre déjà, on va voir ce que ça veut. Alors. On a condition de victoire terminée dans le temps imparti sur le circuit de l'Ectop parcouru, participer à cette course. Bah oui, on va essayer. Allez, pourquoi pas. Je vais voir dans le garage quand même. On va en profiter. On a 30 500 crédits. Est-ce que je peux... est-ce que j'ai débloqué des trucs? Ah, je pense que non. Hein. Il va falloir avoir des points supplémentaires. La nitro, voilà, c'est ça. La nitro, niveau 1, niveau 2. Ah, c'est peut-être la puissance de la nitro. Bon, on va faire oui. Monter sur tous les véhicules. Ketama. Fiera procéder. Bon, bah, de toute façon, j'en ai qu'un, donc je vais pas forcément. Unité d'extension, c'est quoi? Ah, je sais pas ce que c'est. Peinture, on a vu. Suspension, peut-être. Non, on n'a rien débloqué. Pièces extérieures, on l'a dit, on n'a rien débloqué. Moteur, on est qu'au niveau 1. Ça, c'est bon. Et la nitro, bah, j'ai deux niveaux à monter, donc je pourrais monter celle-là aussi, mais ça coûte 25 000 crédits. Donc peut-être qu'on va se calmer, on va économiser un peu. Et on va faire retour. Allez, c'est parti. Confirmation du véhicule. Ah, ça se trouve, ça permet d'avoir la nitro dès le début. Bon, allez, on va le tenter. Commencer la course. 10 000 crédits sont nécessaires pour acheter une charge de nitro. C'est 10 000 crédits. Bah non, je peux le faire. Ça coûte trop cher. Enfin... Non. Désolé. Allez, c'est parti. Pilote, bienvenue à Lake Top Parkway. La course d'aujourd'hui va commencer. Vos voitures sont en bon état? Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Tenez-vous prêt. Alors j'ai essayé Music Dancer. Donc c'est pas Belly Dancer. 3, 2, 1, go! Ah mince, j'ai un peu mal accéléré, pense pas. Alors maintenant on a le x1, x2, x3. Donc ça c'est bien, c'est, on est revenu un peu comme à la norme du mode arcade. On va du coup essayer de faire le meilleur tour. Alors j'ai 3 minutes 57 à faire en cible, donc je pense que c'est sur plusieurs tours et pas un seul. Parce que le circuit est quand même plus court que ça. On va essayer ce petit défi. Ah, j'avais pas fait gaffe, mais on a aussi les projections d'eau là qui se font à notre passage. On a la nitro, je pense que j'utiliserai à la fin, ça va l'utiliser au début. Au début on va surtout essayer d'être constant et de pas faire trop de bêtises. Là par exemple j'en ai fait une, j'aurais pas eu. On va attendre qu'il y ait une ligne droite. Donc ça se négocie à fond, pas besoin, voilà c'était ici, c'était un peu compliqué. Nickel. La nitro pas maintenant, on fera dans la ligne droite. Voilà, ici. Encore deux tours. Par contre, vous voyez, je bride à 295 km/h. Ce qui est pas énorme. Hein. Enfin, c'est très bien hein, pour une bagnole, je veux dire, pour le début. Je pense qu'on va aller beaucoup plus vite après, quand on aura des véhicules un peu plus performants. Ah, c'est vraiment notre passage qui se... que les projections elles passent. Hein. Sinon ils mettent pas d'eau dans le lac. Enfin ils font pas marcher les asperceurs. Les jets d'eau. Bon, je pense qu'on va faire l'accélérateur à chaque fois au même endroit. Hein. Quoique ici ça pourrait être intéressant. Bon, celle-là elle est quand même beaucoup plus maniable que la véhicule qu'on avait depuis le début. Hein. Au début elle était indomptable. Allez, pour l'instant tout se passe bien. Hop, on envoie le trou à cet endroit. Donc, j'ai fait une 20, une 12. Je sais pas combien de temps il me reste. Ah, il me reste pas grand chose, donc il va falloir faire attention. Et je vais utiliser un boost ici.
ici, ça peut, c'est possible. Ça me permettra d'aller un peu plus vite. Encore une minute, attention. J'en utilise un ici parce que ça passe. Voilà. Et on utilisera le dernier dans les grottes de fond. Allez, on va arriver dans la dernière partie du circuit. C'est vrai que j'ai été un peu conservateur sur la nitro, je pense, sur les premiers tours. Je pense que là, ça devrait être un peu mieux. Il va falloir aller vite là, 331. Je pense que c'est bon, ça va le faire. On envoie tout ce qu'on peut. Ouais, c'est bon, on a réussi. On a réussi. Et du coup, on va voir qu'est-ce qu'on a gagné du coup, continuer. Qu'est-ce qu'on a débloqué en gagnant cette course, enfin ce contre-la-montre. On doit de recommencer. Contre-la-montre bronze, événement unique UEFERA. UEFERA, ok, j'ai donc des points constructeurs en plus. 40 pp, ok. Et c'est tout, j'ai plus de crédits par contre, hein. 65 000, ah ça donne pas mal, hein, ça c'est cool. Allez, ce que je vous propose, on va faire... on a combien? Déjà 47 minutes de vidéo. Est-ce que ça vaut le coup? Je vous montre la suite. J'ai bien envie de dire que non, honnêtement, parce que ça sera la même chose sur un autre tracé. Bon, écoutez, on va s'arrêter là. On va faire retour, je sais pas. Je vais peut-être... Ah, une petite dernière course quand même. Voilà, une petite dernière. On aura le Midland Parkway, Airport Lap et Seacrest District. On va faire OK. Et regardez, donc j'ai qu'une voiture disponible. C'est vrai que j'aurais peut-être pu acheter une autre bagnole. Bon, allez, c'est pas grave, on va continuer comme ça. Et on va faire commencer la course, c'est parti. Les effets de réflexion, je le répète, sont plutôt bien réussis hein, sur les voitures. Ça. Et on va faire donc... La deuxième coupe, enfin début de deuxième coupe. Enfin, le reflet rouge là un peu nacré, il est magnifique. Et là j'ai fait un super départ. Voilà, ok, on a réussi. Et regardez le FMV, on avait justement l'introduction derrière en passant de regarder à nouveau. Et justement la fille dont je parlais au départ quoi. Bon bien sûr je ne joue pas avec ça pour jouer avec la fille, mais c'est quand même un élément assez iconique de Ridge Racer. Ok, oula, oui, effectivement, ce circuit ça me parle. Petite éolienne. J'ai à l'époque pensé à l'écologie. Ah non, j'ai dit ce que j'ai rien dit, il y a un hélicoptère, ça gâche tout. Et d'ailleurs, je vous conseille de ne pas regarder cette vidéo si vous voulez économiser un petit peu d'électricité en ne sollicitant pas les. En ne sollicitant pas les serveurs YouTube hein, qui consomment énormément. On rigole, mais je suis sûr qu'un jour on va arriver là. Il a la nitro, non? C'est pour ça qu'il m'a rattrapé. Ouais, il avait la nitro. Oula, ça commence à devenir assez sinueux ici. Ah, j'ai perdu un peu de vitesse, malheureusement. Regardez la petite effet vert rouge, ça va être furtif. Et on n'aura rien vu. Deuxième tour. Par contre, les crédits 65 000, je sais pas combien coûtent les voitures. Si c'est vraiment très cher ou pas, mais 65 000 ça paraît déjà beaucoup. J'ai l'impression que dans Rage Racer, ouais, c'était beaucoup moins cher les bagnoles au départ. Déjà, comme je l'expliquais dans une autre vidéo, c'est possible qu'un jour on fasse un Ridge Racer entièrement, comme bah, d'autres séries en cours en fait. Et à la base, ça avait failli être le cas suite à la fin de la série sur F1 et sur Formula 1. J'ai hésité quand même parce que je ne sais pas lequel faire en fait en prio. Est-ce que je fais celui sur PSP, est-ce qu'on fait celui du Ridge Racer Type 4 ou le Ridge Racer justement. À voir. Limite, si vous avez déjà des envies, vous pouvez en parler dans la vidéo là. Ça permettra de prendre en compte un peu vos souhaits et potentiellement de choisir ce que vous avez envie de voir
Moi ça m'est égal en fait. J'ai vu que le Ridge Racer 4 a quand même un petit aura. Qu'à moins Ridge Racer, pourtant Ridge Racer est quand même très bon. Il y a aussi Ridge Racer 5 aussi, j'ai oublié. Voilà, donc on verra. Ah bah Allié, vous l'avez vu. Je n'utilise même pas ma Nitro en fait, pour moi ça sert à rien. Je vais l'utiliser au dernier moment, dans le dernier tour, ouais. Je pense que ça peut le faire. Garantie, j'aurais pas vu. Ouais, c'est vraiment les circuits après qu'il faut vraiment maîtriser complètement, parce que l'IA, vous l'avez vu quand on était en mode arcade tout à l'heure, elle est vraiment, vraiment compliquée quoi. Enfin, si vous connaissez pas le circuit, c'est mort. Hein. Vous allez perdre de la vitesse à chaque fois. Voilà, je pense que ça devrait aller. On va utiliser le nitro ici. Hey! Et, allez, dérapage. Toujours aussi fun quand même cette partie-là. Oh là là, dans son sens double. Ça tourne. Et on va arriver vers la fin du circuit. Bon, pour l'instant, l'auto a l'air quand même assez rapide. On n'a pas besoin de. Pas besoin de trop l'améliorer, hein. On est dans le rythme des autres. Ouais, je mets la nitro ici, je suis en fou. Et voilà, j'ai fait la bêtise du siècle, mais c'est bon, heureusement qu'il me reste la nitro. Allez là, regarde, profitez-en. C'est la dernière fois que vous allez la voir. Je ne sais même pas son nom d'ailleurs, parce qu'il y a tout un nom, évidemment. Kamata Fiera, on a gagné. C'était tant mieux. On a trois courses à faire, donc... Ah, c'est notre numéro, 765. Je sais pas ce que c'est le numéro qu'on a en deuxième. C'est des points. Je sais pas du tout. Tout que ça correspond. On va faire visionner ralenti. On se quittera là-dessus. J'ai fait confirmer. C'est l'heure du ralenti. Donc on s'est quitté, ne pas se faire avoir. Ok. Là on accélère la vue, on a dit juste une dernière fois de changer peut-être la caméra. Ouais c'est parfait, voilà bah écoutez on va enlever l'affichage et on va se quitter là-dessus. Donc c'était Ridge Racer 7 sur PlayStation 3, à vous de voir concrètement. Le jeu est bien, après est-ce que c'est toujours aussi intéressant d'y jouer, est-ce que c'est toujours passionnant, est-ce qu'il n'y a pas mieux ailleurs? Pour moi oui, après voilà, c'est à vous de valider. Je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde.